Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Frankie. Aujourd'hui on est sur le mode grange, dans un épisode bien sympa, au Nesber, et on y va tout de suite. Allez, on fonce. Eh ben nous y voilà les amis, nous y voilà, on a les portes en fer, c'est tout cool. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous démontrer, je me suis fait une petite plateforme pour les 8 heures, pour qu'ils spawnent, pour essayer d'avoir plus rapidement la troisième T de 8 heures, bien entendu. Mais ma plateforme est un peu grande. Ici c'est mon petit local technique, donc avec des fournaises pour faire des je m'excuse, je trouve jamais les mots comme il faut. Nether brick pour faire des nether blocks, le bloc de nether brick, bien entendu. J'ai un peu de flèches et tout ça, un peu d'armes, un peu de night vision, un peu de résistance au feu, ça. Parce que dans mon arène, c'est quand même pas terrible, et écoutez, voilà à quoi ça ressemble. Donc ceci est une arène, l'arène Made in Frangy. Il y a pas mal de monde qui spawn là-dedans, parce que c'est une plateforme qui fait du 40, donc il y a du 20 par là, plus 3, ça fait 43 par 43, facile, tu me déportes en fer pour pas avoir de problème. Et y'a quoi qui spawn là-dessus? On a du blaze, bien entendu. Nous avons du 8 heures là-bas au fond. Vous voyez pas grand-chose, je vais vous mettre la lumière. J'ai pris pas mal de temps, je vais vous faire passer les vidéos, la construction, des modifications de la plateforme. Je vais allumer la petite lumière qui fait touc 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 touc. Et là, ça va tout de suite mieux. Donc, qu'est-ce qui spawn ici? On a du blaze, bien entendu, qui vous faut le feu avec un grand plaisir comme d'hab. Nous avons toujours des 8 heures, c'est le but principal de cette plateforme, même si elle est énorme. Des 8 heures, des magma blocs, d'accord, des ping zombies, ce qui est logique, des archers aussi. Et sur les plateformes du fond, comme vous voyez, il n'y a pas que de la nether brick, il y a de la netherrack là au fond, une plateforme là, une plateforme là. La hauteur de la plateforme est de 4, entre le sol et le plafond il fait 4, donc un ghast peut spawner facilement ici, ce qui est arrivé pendant la construction, bien entendu, que je vais vous mettre incessamment après cette petite vidéo d'introduction. Donc tous nos petits mobs du nether spawn ici. Grande plateforme, j'ai eu du temps à la faire, je me suis fait bousiller beaucoup de fois, j'ai perdu beaucoup d'XP comme pour pas changer. Et pour la finition, pour finir les lampes, vous verrez que je me suis passé en mode passif pour plus avoir de mobs, pour pouvoir travailler en paix. Et écoutez, on va foncer, voir comment tout ça s'est passé. On éteint la lumière, tout le monde est content, il n'y a plus de 8 heures, mais il y a des blazes. Écoutez, on se met sur notre table de craft et on y va tout de suite. Allez, on fonce. Eh ben nous y voilà les amis. Nous sommes à notre petite plateforme. Notre petit piège à 8 heures. Bien entendu. Piège à 8 heures. Il est tellement grand que je n'ai pas que des 8 heures qui spawn. J'ai tout le monde qui spawn quasiment. Donc ça va plutôt être une arène qu'une. Un piège à 8 heures. D'ailleurs, je vais me faire bouffer rapidement avant de crever. Et comme de bien entendu, ce piège est bien gentil, mais il y a trop de monde qui spawn ici. Mais bon, tant pis, ça va être l'arène de la boucherie. Ça va être la boucherie sans eau ici. Et c'est quand même prévu que pour les 8 heures, mais bon, maintenant il y a tout qui spawn ici. Donc c'est pas grave, on va rester comme ça, parce que c'est comme une plateforme qui fait 20, 40, 40, 40 par 40 quasiment. 41 ou 41. 40, ouais, 40, admettons 40 à peu près. Sur cette plateforme, et ça va être une arène, je crois, parce que il y a vraiment trop de monde qui spawn ici. Tout spawn, hein, les ping zombies, les
gros slime blocs. Non, pas slime. Non, pas les slime blocks, les magma blocks, les gros. Les ping zombies, les withers, tout spawn ici. C'est énorme, c'est même trop grand, j'ai fait vraiment très grand. Mais bon, c'est pas grave, hein. Faudra faire une super arène, mais par contre, il va falloir que je protège les emplacements du style ma fournaise là que j'ai pour faire mes. Netherbrick, je m'excuse. Parce que je n'ai vraiment pas assez en stock. Bon, il n'y a que les. Il n'y a que les gaz qui spawnent pas. Mais je crois que si je ferai un petit espace là en haut, c'est peut-être bien ce que je vais faire. Je vais faire je vais les faire spawner ici, cette bande sauvage, je vais les massacrer. Mais avant toute chose, les amis, je vais prendre. J'ai une petite potion. Bien joli pour vous. Tac. Et je vais essayer de finir un peu ma plateforme. C'est vrai qu'il y a déjà des Withers qui ont spawné. Et il va falloir quand même que je me fasse un joli petit test, une jolie petite armurerie avec une bonne quantité d'arc et de flèches. Donc là, l'utilité de mon Redblock, j'en utilise, mais c'est un truc de dingo, ça. C'est une plateforme de fou. Un bon stock d'arc et de flèches pour justement pouvoir. J'ai un petit stock d'arc et de flèches pour pouvoir tuer. De loin, parce que là, les Withers ils spawnent par 3 généralement. Et tuer 3 Withers d'un coup, c'est pas simple. C'est même déconseillé même. Donc je vais éviter de faire ce genre de. D'incartade, car je suis déjà mort 4 ou 5 fois là. On essaie de faire cette plateforme. Parce qu'entre temps, il y a beaucoup de blaze vu qu'il y a un spawner pas loin. Le mien. L'usine à Blaze, est par là. Et j'ai perdu quand même pas mal d'XP, c'est chiant. J'essaie toujours de me battre à choper des XP et puis à chaque fois je me fais des soudés. Et c'est dommage. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je réduise les entrées pour que je puisse me cacher. Avoir un petit muret de défense pour éviter de me faire des soudés à chaque coup. Je vais faire un petit truc comme ça, ça va être pas mal. Mais il faut que je réduise la lumière là, parce que les lumières, il y a trop de lumière et puis les Withers ils spawnent pas, ils pourraient spawner sur toute la plateforme entière quasiment. Bon, celle qui est finie, hein, là-dessus, hein, c'est de la Nether Brick. Mais il y a encore un peu trop de lumière, j'ai l'impression. C'est quand même une histoire de lumière pour que ça spawn, hein, y compris pour les Withers. Donc je vais enlever un peu de lumière. J'ai enlevé des torches, j'ai enlevé toutes les torches. Pour pas que j'ai de problème, pour que ça spawn. Bon là, je sais pas, ça va pas trop spawner pour l'instant parce que je suis là. Non, la preuve que non. Nous avons nos amis, les blaises là-bas au fond. Par contre, je devrais pas mettre carrément des portes parce que. Ah, j'ai plus de flèches, si j'ai encore des flèches toujours. Parce que là, on peut faire une jolie petite usine, hein. Une jolie petite arène à sauvage, là. Avec des bonnes épées, des bons arcs, et puis on pourrait faire pas mal de choses. Salut l'ami, toi t'as le droit d'entrer, c'est chez toi ici. Non, avec la carotte, ça va pas le faire. Je vais finir de faire ce trou là. Je vais agrandir en haut. Je crois que pour que les ghast spawn, il faut au moins 4. 4. Ouais, 4 sur 4. Je suis même pas sûr. Hein. Je vais pas vous dire des bêtises, les amis. Souvent, je dis des choses qui ne sont pas lieu d'être. Comme anciennement sur ma
Comment ça s'appelle déjà, je m'excuse. Ma tour. Silex. C'est que je pouvais pas faire des observateurs. Parce que je n'avais pas les coquilles de noix des bestioles de lande. Mais y a pas besoin de coquilles de noix pour faire les trucs de. Pour faire des observateurs en fait. Je connais pas les crafting totalement tous à 100%, je connais pas par cœur. C'est vrai qu'en contrôlant sur un site de crafting, avec tous les crafts, y compris les tout nouveaux de la future mise à jour, que ça va être terrible. Je vous garantis, ça va être quelque chose de beau. Les designs, il y a des blocs, des jolis petits blocs sympas qui vont tomber. Et là, franchement, ça va être quelque chose de. On va pouvoir faire des. Pour les builders, ça va être quelque chose de sympa. Et en fait, j'ai pas besoin de cette coquille de noix de la bestiole pour faire un observateur. Je suis désolé. Donc, je me repens de vous dire quelquefois des choses qui sont pas les bonnes. Mais le fait que je suis allé sur ce site de crafting, de cette table avec toutes les variantes. Tous les blocs qu'on peut créer sur Minecraft avec les items dont on a besoin. J'étais allé pour voir, je me suis dit peut-être que vu que j'ai pas réussi à voir la porte de Londres, que je pourrais essayer d'en faire une. Car à un moment donné, on pouvait crafter les petits blocs, on met les yeux de Londres. Et manifestement, sur le crafting, vu qu'il est déjà à jour pour la nouvelle version, il n'y a plus ce bloc de crafting, faudra que j'aille voir ailleurs. Mais bon, j'ai dit qu'on se fera le Wither Boss, donc on va essayer de se faire le Wither Boss. C'est une porte créée, tiens, il y a un Wither là-bas. Une porte créée de land par moi-même, je sais pas si ça marcherait vraiment, ou ça pourrait être comme une porte du Nether, on pourrait peut-être tomber à un endroit différent dans Londres. Mais pas au dragon. Tiens. Ils ont déjà spawné, donc je vais me cacher. Et je vais aller leur faire du mal. Parce que ils me font des lumières parce que. Voilà, je suis mort. C'est bien ce que je disais, les amis. C'est toujours l'enfer. Je me fais toujours déglinguer à cause de cela. Et commence vraiment à me fatiguer la tête. Donc. Voilà pour le moment, les amis, ma nouvelle plateforme de combat. Je crois que je vais prendre des blocs déjà faits ici, parce que j'en ai mis à faire ici aussi. La fournaise, je crois qu'elle doit être éteinte depuis. Ça me met du temps à faire ces blocs-là, et puis ça devient chiant, j'aimerais bien finir ça rapidement. Ce que j'en ai ici, donc je vais prendre cela. J'espère juste que je vais pas crever entre-temps. Des pioches, j'en aurai, la bouffe, je vais en reprendre encore un peu, je vais encore reprendre des flèches, un ou deux stacks, j'ai un coffre, donc c'est bon. Ça, et puis on est reparti tout de suite, et on se retrouve directement à ma plateforme. Allez, on fonce. Écoutez, les amis, ma plateforme est presque finie, mais manifestement. Y a bien un ghast qui a spawné là-bas, donc il faut du 4 par 4. Là, manifestement, ça fait que 3, donc il manque un bloc de trop. Faut que je fasse un bloc en plus là en haut pour qu'il spawn bien en plein milieu. Et là, il est juste là, l'ami ghast. Et puis là, c'est un super, super master piège à bestiaux. J'aime bien les machines à bestiaux, mais là c'est un piège à bestiaux. Et là il va falloir que je les ferraille. Donc, mes amis, on va s'en occuper direct. Le blaze. Là on a tous nos petits amis qui sont bien gentils, qui sont là. On a toutes les sortes de mobs du Nether.
Donc c'est pas trop mal. Moi je trouve c'est pas mal. Donc là il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4. Donc il faut bien du 4 sur 4, mais quitte à faire ça, autant en faire 5. Donc je vais en faire une cinquième niveau au milieu. Va falloir que je m'occupe déjà de tout cela là, parce que... Voilà, cousin, il se tape dessus, c'est très bien. Donc mon petit piège, je vous ai rien fait les amis moi. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries les amis, j'ai rien fait moi. Alors ça les amis, franchement il commence à... c'est un piège, mais un piège qui me piège. Je sais pas où ils sont. Ouais, plus personne, tout le monde est reparti. Ok, bah tant mieux pour moi hein. On va dire ça hein, les amis, tant mieux pour moi. Y'a personne. Donc bah écoutez, on a repris notre matos, on va allumer la lumière. Bien la lumière, s'allume au fur et à mesure. Pouf pouf pouf. On a mis des repeaters, hein. Des repeaters. Avec 4 tics à chaque fois. Sur chaque repeater, donc ça s'allume au fur et à mesure. Par contre, mon armure n'est plus rien d'armure, quoi. Toutes mes armures sont niquées. Et il n'y a plus rien qui a spawné. On va patienter 2 minutes, hein. Hop. On va essayer de retrouver, voir si on a une armure, mais... En armure, on n'a plus grand chose. Plus de casque, j'ai plus rien. Peut-être me faire des choses. Ça peut toujours être utile. Mais bon, bien sûr, ils sont pas enchantés, ça va pas nous servir à grand chose. Mais bon, on se défend avec ce qu'on a. Un petit casque, ok, voilà. Donc, ça, je vais pouvoir mettre ça. On va pouvoir mettre ça là. Du blaze. Écoutez les gars, bougez pas, je vais venir vous faire la peau. De toute façon, jouez vraiment d'une force. J'ai pas du... Ah si, j'avais de la bouffe. Donc ça c'est bon. Ça c'est là. Les épées c'est vraiment de la merde en fait. Les amis, allez, slime 5, ça vaut que dalle celle-là. Alors je vais remettre mes power 1. Ça c'est bon, power 1, on tac. Écoutez, on va allumer les lumières aujourd'hui ce coup-ci. Tac. Non, allume les lumières. Paf, on allume les lumières, on y va. Vas-y, ça s'allume bien, c'est joli. Bon, au pire, 3-4 blocs, c'est bon. Ça me permet de sauter. 8. Ah, t'es mort, sale bête. Alors, c'est bien gentil, je saute, mais... Là, nous avons un ami 8 heures, donc on va laisser le coltiner d'abord. Ici, c'est ton arène à toi, l'ami 8 heures. Ça bien que vous mâchiez autre chose que des nonos. Il y a un blaze qui se coltine. Mais bien sûr, faut bien se méfier. J'étais à 16 hein, tout à l'heure. Chaque fois qu'on perd des XP, on perd tout. Hein. On perd la moitié, quoi. Les ping zombies, on les laisse tranquilles. De la lumière, paf, tout s'éteint. On ferme la porte et on regarde dans notre petite lucarne. Du magma bloc là-bas, du ping zombie toujours. Il n'y a que des pings d'envie. J'allais faire un tour dans les salles adjacentes. Oups. Des flèches. J'en ai plus des masses des flèches, faut que j'en prenne. Après, un bon petit stock. Hein. Tac. Voilà, ça en met là. Nonos, j'en veux pas.
faudrait que je me refasse un chest. Je me refasse un chest, les amis, il faut y aller doucement. Faut pas parler trop fort. Parce que si on parle trop fort, ils nous entendent, les méchants. Ah, ils nous entendent que dalle. On va aller faire un tour par là. Si c'est lumineux, on va pas avoir trop de spawn. Mais là, je vois un Wither là-bas. Allez, mon petit lait. Mon petit loup. Youhou, ça va? Comment ça se passe? Y'a un casque qui se promène par là-haut. Allez, là-bas. Cette espèce de grosse baleine. Bon. On va faire un tour dans la pièce. La pièce attitrée, je m'excuse pour le reniflement. On va passer par là. On va rentrer doucement. Ah, tu plaisais de Wither. Youhou! On va aller reprendre. Ah, putain, mais c'est chiant ça. Allez, oui. Ça m'agace. J'ai vraiment aucune protection contre le feu, ça m'énerve. Allez, on se fait encore une petite vision nocturne. On se ferait ça également. En espérant rester vivant, bien entendu. Tu vas peut-être presque me faire lâche. C'est la slime, c'est de la merde là. On va voir ça. On va manger ça. Écoutez, quoi qu'on dise, on fonce. Merde, il m'a touché. J'aimerais faire gaffe. Ah bah c'est bon, c'est rentré. Ça c'est ça le problème, c'est qu'on sait pas où on est et qu'on va en marche arrière. C'est bien de passer Wither, il passe pas, c'est très bien. Et que on sait plus où c'est la porte et là on peut faire le tour et même avec les blazes. On est dans le secteur, il vaut mieux savoir où on va. Là j'ai encore un Wither qui traîne là. Oh putain, je m'excuse, hein. Vous avez vu les amis, je me suis loupé carrément et j'ai quand même eu un ghast, un blaze, alors que j'ai failli me faire dérouiller. Le seul but là, c'est un peu de la triche, je recule, mais je préfère, j'ai pas envie de crever à chaque fois, je suis mort. Quand de faire cette salle, je suis mort je sais pas combien de fois, comme d'hab. Par contre, le dernier, on va laisser le faire à l'ancienne, à la hache. Voir s'il nous lâche quelque chose avec un coup de hache. Bon, déjà, s'il me tue, déjà. Il m'a pas tué, je vais remanger. C'est quand même vachement empoisonné, hein, les 8 heures. T'as rien à faire dans ma cabine de sauvegarde. Non mais franchement. Putain, ça prend un temps, on ferme la porte. Les amis. Rien par là, rien par là. Le Wither, il n'a rien laissé vraiment foudroyant. La ping zombie, je pense qu'il y a quelque chose. Oui, ils spawnent toujours un peu par là encore les Wither et tous leurs petits amis. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Cette PC est quand même pas mal, on voit quand même hein, que. Quand même une bonne efficacité, hein. Il y a quand même pas mal de mobs qui spawnent. Les 8 heures en particulier, bah, c'était quand même avant tout. Pièce pour les 8 heures. Alors s'ils respawnent encore.
blaze aussi, il y a des blazes dans le secteur, mais je sais pas où ils sont. Il est là. Ouais, il y a toujours des petits trucs qui se proviennent dans les coursives. Hein. Je sais pas pourquoi ça part comme ça, les flèches. Alors, si vous savez pas quoi faire, vous faites un peu tout le tour dans la coursive. Vous... Allez voir si ça se passe, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a rien. Je crois pouvoir y aller, la porte est fermée. Un big zombie qui fait le gardien, mais il garde pas grand chose, vu que les autres sont quand même rentrés. Et puis là, il y a toujours personne, bien sûr, on pourra se faire du ping zombie. Avec grand plaisir. À la sauvage. Bien entendu sur du ping zombie, mais pour l'instant il y a un petit monsieur Wither là-bas. Donc on va aller se faire le monsieur Wither là-bas. Il était tiré sur les ping zombies, autrement voilà, ils vont tous nous sauter dessus. Bien qu'il y ait un gaz qui respawn, ça serait cool. Ça sera le moment, hein. Je suis bientôt à la fin de ma mission nocturne dans 2 minutes 55 et puis après on arrêtera notre petite cartade dans notre super arena fou, arena bestiaux de malade. Toujours des lutteurs qui traînent un peu par-ci par-là. Ils sont pas dans l'obligation de spawner dans mon arène. Maintenant ça spawn quand même un minimum. Parce que c'est fait justement un endroit spécifique de 8 heures. Vu peut-être qu'ils pourraient nous filer un nonos, mais là il est tout en bas là au fond. Oh, qu'est-ce qui est tombé? Ah lui. Mais non toi. Le gringal est tout blanc là. Tu as rien à faire là. Allez, ramène ton cul là. Puis, arrête de m'agacer. Pour l'instant, c'est pas toi que je veux. J'ai bien envie d'aller me faire le Twitter là, bouffon. Tu es toujours là. Ouais, allez, on va aller se le faire vite fait. Peut-être qu'il pourrait peut-être nous lâcher un petit quelque chose, allez savoir. Tu es plus aimable que ses compatriotes. Alors, on va aller se le faire direct. Juste par là. Youhou. Il saute, hein. Oh, casse-couille. Bon, écoutez, on va finir cette petite vision nocturne dans mon arène. Je vais retourner en direct à fond les manivelles sur mon arc. S'il n'y a pas, je vois déjà un magma cube là-bas. Reste pas devant le ping zombie, tu vas te prendre des flèches. Bien entendu, il y a toujours ces connards de blaze, je sais pas comment ils font pour nous toucher eux, à chaque fois. Mais bon. Bon, on va se faire les amis les Wither, ils sont juste là, venez là, le petit loup, passez pas par la porte, c'est bête, hein. En fait, c'était fait exprès, hein. C'est de l'anti-jeu. Enfin, Guy, c'est de l'anti-jeu. C'est de l'anti-jeu. Ils sont où, est-ce qu'il y en a un troisième? Attends, on aura un troisième, c'est obligatoire qu'il y en a un troisième. Ah, il y en a deux là-bas. Zou. Zou. On a entendu. Donc, la mission nocturne, elle s'arrête. On va allumer la lumière. On a mangé. On va aller signer les deux petits 8 heures là-bas. Même Blaise, on se fera le plaisir de lui mettre une tête au carré ou c'est leur tête au carré. Voilà, mon premier, t'es mort. Rien donné, il me semble. Hein. Oh.
horreur. Alors, moi j'ai un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut manger si c'est un truc de dingue? Ouais, mais là il y en a trop des Wither. Ouais, on se les touche une fois, deux fois, dix fois. C'est pas de la tarte, les amis, c'est pas de la tarte. Hein. Quand on s'en loue, quand on en tire un, les autres arrivent. J'ai l'impression que les flèches elles tapent contre le plafond puis qui les loupe. C'est pas ce qui est bon. On va remanger un petit quelque chose. On va laisser finir. À l'épée s'il y a besoin. Je commence à avoir des fourmis dans. Ah non, il est encore là ce truc. Il est encore là. J'attends à faire gaffe au. Petit. Tiens, les gros magma qui nous saute sur la cour rouge. Que je m'en aille. Ça fait quand même un coyote sur la gueule. Mais ça fait pas du bien. Bon, on va s'occuper de cela déjà, de toute façon. On va se fermer le magma cube. Après, on va se faire. Peut-être les pings ont oui, puis on se barre d'ici. Hein. Allez, 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 Fringy, ferme-moi tout ça en gai, avec le sourire. J'ai eu un peu de mal, hein. J'ai dû me concentrer pour bien éviter tout cela. Vas-y, saute dans tous les sens. Ils sont pas très méchants quand ils sont petits, mais quand ils sont gros, ils font vraiment beaucoup de mal quand ils vous tombent dessus. Il faut que je fasse gaffe quand même à ma santé, à ça. Bon, pas ce qu'il faut pour. Enchante, j'ai toujours à avoir un tas d'XP, mais sinon ça suffit jamais pour me les faire. Allez, on finit avec nos ping zombies adorés. On ferme la porte, on se restaure. Et là, écoutez, c'est la bourse ou la vie. Entendu, faut bien tirer quoi, parce que si on se loupe, on n'arrive pas à les tuer correctement. Donc, si on se loupe, on n'arrive pas à les tuer correctement, et puis bah, s'il nous met un coup d'épée, c'est bon. Hein. Ils sont forts, c'est con quand même. Dernier là-bas, il a l'air d'être timide. Voilà. Écoutez, les amis, mon arène, elle est là, elle est grande. Ça fera peut-être un pet fight. J'ai pas eu spécialement grand-chose de mes subiteurs. Mais bon, comme on dit, on va éteindre la lumière. Donc, c'est beau ça. Ouais. Est-ce qu'elle étonne là-bas? On va se les faire, ils sont là, hein. Ils sont 4. Ils sont peut-être, je sais pas ce qu'ils nous lâcheront, mais ils nous lâcheront peut-être quelque chose. On va se finir ceux-là. Vous avez pu voir, hein, du moment, la luminosité compte vachement, et puis. Là, c'était bien cool, hein. J'ai plus d'hache, j'ai plus de flèches. J'ai tellement ferraillé de flèches, les gars, ça je peux vous dire. C'est un truc.
truc de dingos. Donc lui, il va tirer son arc, mais il va se prendre un coup d'épée qui permet 2-3 flèches. Il y a des ce qui ont pu spawner, mais on va en rester là pour le moment. Pour ici, on ferme les portes, les lumières sont éteintes. Écoutez, je vais récupérer des trucs dans le coffre et on retourne à la maison au galop. Allez, on y va tout de suite. Allez, on fonce. Et ben voilà, les amis, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Il est déjà assez long. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci beaucoup. Et avec notre maître Witter et cousin Witter, on vous dit, faites pas les fous les amis, au prochain épisode, et puis allez, avec le poulet, on suit le poulet aujourd'hui, et faites pas les fous et pichou, allez salut à tous.